Don't you move. You stay seated right where you are. Or I'll blow your brains through your ass. The gun is empty. Yeah? Yeah? You never checked it, did you? So help me, I'll blow you in half. All right. Squeeze the trigger. I will. Please. Oh, I will. Because you can sure as shit bet I'm gonna squeeze mine. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 28. Cette semaine, émission Spectre, Disparition et Tracer la route. On rêve couché sur un parquet dans les bras de nos mères, dessiné à la craie tous les soirs en secret. Ce dessin, on le fait trait pour trait à partir d'un portrait. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'avez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Calogero. Donc ce soir, nous parlerons de portrait à l'occasion de la sortie il y a quelques mois déjà, c'était en fin d'année dernière, du film documentaire de Kleber Mendoza Filho, Portrait Fantôme, de Retratas Fantasmas. Et ensuite, nous parlerons d'une ressortie en DVD et Blu-ray en Steelbook chez Sidonis Calista de Hitcher de Robert Harmon, film de 1986. Et pour parler de ce joué au programme, autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibault. Salut Thomas, salut à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, nous avons un duo puisque nous avons une jeune en formation. Donc il y a bien évidemment Ulysse et Margot. Bonsoir les jeunes. Voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il va jeter un seau de merde en plein. Alors, les agendas, bon, carrément Fleuret, les performances de Rennes en ce moment, pas terrible. Non, pas, bah oui, j'ai pas vu le match. 9e, pas génial. Ah, c'est les points qui comptent. Écoutez, j'ai pas vu le match dimanche. Alors que Paris va peut-être jouer la Ligue des Champions. Bah oui. Incroyable. Eh bah, c'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux pour eux. Exactement. Voilà, on sera très heureux de les voir se faire défoncer dès le début par le Real Madrid, mais néanmoins, c'est quand même pas mal. Les mecs, ils passent du fond du classement à la Ligue des Champions. Très belle destinée, en tout cas pour Brest cette année. Voilà. Très content pour eux quand même. Très content pour le Finistère. Exactement, c'est ça. Enfin, des belles nouvelles pour cette région sinistrée de manière générale. Qui ne produit que des tristes cires et des gens foutres, c'est bien connu. Et des bigoudaines. Et des bigoudaines. Qu'on est au sud. En coiffe, bien sûr. En coiffe, qu'on est au sud. Voilà. C'est pas du tout cliché. Non, pas du tout. On aime beaucoup Brest en plus ici. Sinon, agenda local, eh bien nous vous rappelons que le prochain film du dimanche soir a lieu donc ce mois-ci, le 21 avril, très exactement. Et ça sera la projection de Robocop de Paul Verhoeven, que vous aurez le plaisir de venir voir ou revoir pour prendre une bonne débauche de violence. Voilà, après The Big Lebowski, donc dimanche dernier, qui était tout à fait savoureux et merveilleux à revoir, n'est-ce pas mon cher docteur? Oui, c'était roboratif. Je vous ai entendu ricaner benoîtement. Je le connais par cœur. Voilà, pourtant. C'est ça. Et pourtant, ça marche toujours. Ça marche toujours, ouais. Sinon, demain, tambour. Non, il n'y a pas de séance du tambour demain. C'est pour ça que je l'ai barré. Il n'y a pas de séance. Ça reprendra la semaine prochaine. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas affiché sur leur site. Mais donc, sinon, à partir de demain et jusqu'au 9 avril, donc la semaine prochaine, ça, c'est la semaine du ciné espagnol et hispano-américain. Il y a l'Arvor notamment. Donc, il y aura plusieurs films de fiction et documentaires qui vous seront proposés. Ils ont mis espagnol et hispano-américain. Ils ont mis un peu tout dans le.
dans le même panier. Il y a aussi des trucs d'Amérique du Sud, je crois. Bref, bah, hispano-américain, du coup. Oui, voilà, c'est, oui, c'est voilà, ça. C'est ça que ça veut dire, en oui, fait. Oui, hein, oui, ça veut dire d'Amérique du Sud, oui, en fait, hispano-américain. Hispano-américain. D'où le américain du titre. Oui, donc ce qui exclut de fait les films brésiliens, par exemple. Par exemple. Qui sont des films portugo-américains. Qui sont lisutano-américains, très exactement, si nous voulons être précis dans les terminologies, n'est-ce pas? Exactement. Merci, cher docteur. Sinon, à l'Arvor, ce dimanche à 11h du matin, pour les leftos et les gens qui ont des enfants, puisque c'est donc Cinévorax, les rendez-vous pour les petits et les grands de 7 à 77 ans, vous aurez le plaisir de voir ou revoir et de chialer votre mère avec Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles de Don Bluth. Pas pour moi, j'y vais pas. Tu veux pas? Ah non. Mais peut-être que ton fils a envie de le voir, Thibault. Ah, oula, non. Il a l'âge, là, il y a 4 ans, c'est bon, c'est parfait, ça. Ah ouais, non, mais moi, c'est un film qui m'a traumatisé enfant. Aussi, j'ai vu, donc, je suis même pas sûr de l'avoir vu. Je crois que c'est la première VHS qu'on m'ait offerte. Enfin, en tout cas, avant de passer à des vrais films avec des acteurs, en tout cas. C'est une des premières VHS que j'ai eu entre les mains également. Non, c'est beaucoup trop triste, c'est beaucoup trop beau, bien entendu. Oui, beaucoup trop culte. C'est très, très triste. Mais beaucoup trop. Je crois que la première cassette qu'on m'ait offerte après, c'est Retour vers le futur 3, parce que j'aimais bien les westerns. Qui est plus fun. Qui est plus fun, voilà. Et puis, il y a des cow-boys. Il y a des cow-boys. Et c'est très chouette aussi, quand même. Je crois que c'est Alien. Alien ? Ouais. Ah, bah bravo. Et vous, docteur, votre première VHS ? Ou Betamax, peut-être ? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire, parce qu'il y avait les VHS, tu veux dire commerciales ? Oui, commerciales. Ce n'est pas les trucs enregistrés à la télé, hein, parce que ça, sinon... Bon, j'ai aucun souvenir, mais moi, je viens vraiment de l'ère de la VHS. Hein, donc, je m'en suis tapé pas mal quand j'étais... Vous en aviez à l'époque à Quimper ? Vous aviez... J'avais même un magnétoscope sans télécommande qu'il fallait manœuvrer à la main. Il fallait se lever directement pour mettre lecture. Ouais. Donc, non, moi, j'ai plutôt été avec de la VHS enregistrée. Donc beaucoup de Funès et beaucoup de Pierre Richard quand j'étais enfant. Ah bah bravo. Voilà. Et du Tex Avery également. Très bien. Ce qui explique mon caractère particulièrement jovial. Voilà. Et bout en train. Et maladroit. Et maladroit par même occasion. Sinon, au TNB ce jeudi, donc le 4 avril à 20h30, en avant-première, il y a le documentaire de Sonia Kronlund, la coordinatrice de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture, l'excellente émission Les Pieds sur Terre, qui nous présente son film L'Homme aux 1000 visages, qui sort en salle dans quelques semaines, je crois. Donc, voilà, elle avait écrit, il y avait eu un épisode des Pieds sur Terre d'ailleurs dessus aussi. Donc voilà. Je pense que c'est très bien, c'est quelqu'un de très intéressant, Sonia Kronlund. Sinon, demain dans les sorties nationales, eh bien donc... il y a le film en solo de Ethan Coen sans son frère Joel, donc Drive Away Dolls, donc voilà, qui sort en salle demain. On en reparlera la semaine prochaine. Il y a aussi, donc, pour les déviants comme moi, le docteur Godzilla x Kong, le nouvel empire. On a un genre de buddy movie. Ça va être débile. L'affiche est monstrueuse. Ils sont côte à côte, on dirait Batman et Robin. Oui, c'est ça. C'est dynamique duo. Quoi. Ils font un buddy movie où ils vont être tabassés. Je m'attendais presque à ce qu'il y ait une affiche avec un high five. Il y a un plan dans la bande-annonce où c'est clairement genre le plan de Predator où Carl Weathers et puis Schwarzy se prennent les choix. Ça va être débile. Va être débilasse. Évidemment, il y a quelques chouins de Godzilla qui disent oui, mais c'est pas la bonne couleur des cailles et tout. On s'en fout. On veut les voir casser des trucs. Gorille, un gros lézard. Exactement, faut qu'ils cassent des villes. On a des plaisirs simples. Mais voilà, oui, voilà. Faut savoir revenir au plaisir simple. À propos de plaisir simple, il y a un film avec Bernard Campan et Isabelle Carré qui s'appelle Et plus c'est affinité, genre de comédie. MK2, on pourrait dire, sur un couple qui s'ennuie, qui entend de leurs voisins du haut, qui sont des petits jeunes qui arrêtent pas de baiser, puis ils se demandent s'ils devraient pas faire des choses avec eux, tout ça. Là, ils sont dans une bonne dynamique. Campan et Picard, ils ont fait une comédie dans le monde du vin. Oui, parce qu'en plus, c'est un duo, ils ont plusieurs joué dans plusieurs films ensemble, donc ils se connaissent bien. Ils ont joué dans un des films d'Isabelle Carré aussi, d'ailleurs, qu'il avait réalisé. Bon, c'est pas le pire duo que je connaisse. C'est pas le plus drôle non plus. Terme de duo de comédien. Genre de comédie douce amère, un petit peu comme ça, sur des. Sur les partouzes. Voilà. Sur les plans. Écoute, ça arrive à tout le monde. Voilà. Sinon, autre film, probablement pas une comédie, mais qui je pense est bien rigolote, c'est Quelques jours pas plus, dans lequel Benjamin Biolay incarne un rock critique un peu désabusé et il a envie de se pécho Camille Cotin qui s'occupe de gens à la rue, donc il décide de recueillir pour quelques jours pas plus chez lui, donc quelques pauvres dans son appartement. D'accord, ok. Et voilà, et donc il dit que quand même, il aimerait bien se taper Camille Cotin, donc il faut qu'il montre qu'il soit sympa, mais en même temps c'est chiant parce que c'est un rockeur désabusé, et la preuve, il a un blouson en cuir. Et limé, bien sûr. D'époque, quoi. Ça a l'air super. Ça a l'air super, ça vend du rêve en tout cas. Sinon, toujours dans les comédies, c'est déjà le cinquième film d'Où Jésus, c'est Du Cobu, Passe au Vert, réalisé par Elie Semoun, comme les deux précédents.
Voilà. Ça veut dire quoi, qu'il se convertit à l'islam? Non, à l'écologie, je pense. Voilà. Pardon, c'est-à-dire qu'ils vont à la campagne. Ah, mais il faut qu'ils fassent gaffe à leur titre, hein, parce que ça peut... Oui, après, c'est Elie Semoun, il y a quand même peu de risques que ça vienne. Ouais, il y a quand même peu de risques. Sinon, il y a un film noir de Jean-Stéphane Sauvert qui avait réalisé Johnny Mad Dog et quelques prières avant l'aube il y a quelques années. Donc, Black Flies, qui est Asphalt City avec Sean Penn et Miles Teller, si je ne m'abuse, ça m'intrigue. En général, ces films sont un peu ratés. Ty Sheridan, ouais, mais ils se ressemblent. Oui, je sais, tu les confonds un peu. Pour moi, eux, tous ces petits blancs de 30 ans, je les confonds. Avec des grosses lèvres. Avec des grosses lèvres et une mauvaise peau. Des jeunes lipus. Voilà, c'est ça exactement. Donc voilà, qui sort demain, on en reparlera aussi. Et ben sinon, Isabelle Huppert continue son tour du monde avec Sidonie au Japon. Voilà. Voilà, donc c'est probablement son 22e film de l'année. Elle tourne un peu partout. Isabelle Huppert va jouer Huppert, quoi. Alors sinon, en général, je vous annonce aussi des concerts filmés qui passent au cinéma. Juste avant, j'ai cru voir qu'il y avait un film coréen qui avait l'air pas mal. Alienoid. Qui sortait bientôt. Qui est sorti la semaine dernière. C'est la semaine dernière que c'est sorti. Alienoid, ça passe au pâté, je crois. Et c'est quoi? C'est un polar. Moi, j'ai entendu parler d'un film coréen sur le harcèlement scolaire ou un truc comme ça. Alors, il y en a un, mais c'est un film allemand, on parlait la semaine dernière. Non, mais c'est un film coréen, apparemment, où il y a notamment apparemment un plan séquence, soit une scène d'ouverture, paraît-il, qui est vachement bien. Voilà. Écoutez, vous m'en direz ça. Mais faut que je vérifie mes sources, là, j'ai pas ramené mes petits papiers avec moi. Et donc, sinon, donc, en général, je vous annonce des concerts filmés qui passent ou des documentaires sur des super groupes comme Nickelback la semaine dernière, mais là, une autre. Escroquerie-vous sur la montrée, puisque c'est Rocancourt, le film, sur donc notre ami Christophe Rocancourt, qui va nous parler de son parcours, de ses magouilles, comment est-ce qu'il a niqué Michel Polnareff, Mickey Rourke, les Rockefeller, tout ça, sans les témoignages, apparemment, je crois, des gens qui ont été donc, arnaqués, qui se fait avoir par Rocancourt, comme Catherine Breillat, par exemple, alors que tout le monde savait déjà que c'était un escroc, il sort des tomes, il a quand même réussi à l'arnaquer, elle, en plus, pour abus de faiblesse. Oui, quel sacré margoulin, mais tout ça parce qu'il a une enfance pas facile dans le Nord, dans un mobilo. Mais bon, j'ai vu l'autre jour à la télé en entretien Christophe Rocancourt. Il disait non, moi ça va, je suis pas à plaindre. Ceux à qui il faut demander ça, ferme ta gueule, escroc. Il se la pétait, ouais. Moi j'ai rencontré Michael Mann plusieurs fois parce qu'il voulait faire un film sur ma vie et tout. Bon, enfin, étant donné que le mec est quand même un escroc patenté, je veux dire, il peut bien raconter n'importe quoi, on n'est pas obligé de le croire non plus. Quoi, non. Tu vois. Ah là là, mais bon, c'est grâce à des gens comme ça que la France brille à l'étranger. Brille à l'étranger, effectivement. International. Ça, et puis Dupont de Ligonnès. Voilà. Bravo Christophe. Voilà, on va passer à la section critique de cette émission. On va aller, traverser l'Atlantique pour aller au Brésil et on va essayer de retrouver le sourire d'un fantôme. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et donc c'était bien évidemment les Pogs avec Ghost of a Smile et de Ghost, donc de Spectre et de Fantôme. Il va en être question à l'occasion de notre visionnage, thanks to Aaron Cadaray ici présent, merci. Donc du dernier film en date, qui est un film documentaire du réalisateur brésilien Kleber Mendoza Filho, donc Portrait Fantôme, qui est sorti en toute fin d'année dernière en France dans quelques salles, mais malheureusement pas à Rennes, donc on s'occasionne un petit rattrapage. Et donc Kleber Mendoza Filho, on avait parlé ici de tous ces films, si je ne m'abuse, en tout cas ces films de fiction, Aquarius, Les Bris de Récif et Bakuro, qui était le dernier film en date. Et donc Kleber Mendoza Filho, c'est quelqu'un qui a commencé comme journaliste et programmateur dans les salles de cinéma. On va y revenir, ça évidemment, de l'importance dans Portrait Fantôme. Et donc avec ce film documentaire-là, une nouvelle fois, comme dans Aquarius et dans Les Bris de Récif, il prend pour cadre sa ville natale, donc la ville de Récif, là où il a grandi avec sa mère dans un plutôt très chouette appartement, d'ailleurs, qui est très bien aménagé. Il faut préciser que c'est la capitale du Nord-Est. Voilà, c'est ça. Donc la partie la plus... Récif n'est pas le coin le plus pauvre du Brésil, mais par contre c'est la capitale de la partie la plus pauvre du pays. Le Nord-Est, effectivement, qui est donc la partie la plus pauvre du pays, là où il y a le plus encore de population
autochtones, on va dire. Ouais. Parce que le descendants des Indiens ou des esclaves, en fait. Le sud du Brésil est traditionnellement plus riche et du coup beaucoup plus blanc et beaucoup plus raciste. Hein, voilà, donc, beaucoup on descend, plus allemand. Voilà, exactement. Oui, il y a quand même pas mal de blonds aux yeux bleus ou de gens qui s'appellent Bauer, Krautschmann. Qui se faisaient joyeusement décapiter dans Bacurao. Hein, oui, exactement. Hein, qui était une belle revanche, justement. Alors. Et donc, le Nord-Est a aussi, bien évidemment, une tradition beaucoup plus gauchiste que le sud du pays. Et ça se ressent de toute façon de manière générale dans le cinéma de Mendoza Filho. Et donc dans ce film là il va, on va dire, c'est découpé en trois chapitres pour retracer un petit peu l'histoire contemporaine de la ville. Ça commence comme souvent par, on va dire, par le biais de l'intime, par le biais du film familial, à la fois par les films que lui faisait quand il était jeune, ses courts-métrages avec ses potes, mais aussi donc des films de famille qui étaient soit filmés par lui ou bien par sa mère, un petit peu de l'environnement, de la ville. Et ça va évoluer, comme souvent dans le cas, on va dire, d'un documentaire intime. Et je pense qu'on pourra revenir sur cette question du cinéma et du documentaire familial. Évidemment, il y a une ouverture dans le film pour revenir à un discours plus large sur la ville de Recife et sur la destruction de sa mémoire par le prisme de la destruction des cinémas que lui... il a bien connu, justement, parce qu'il était programmateur et qu'il travaillait dans certains de ses cinémas. Donc, on va dire, les mutations au pluriel de la ville de Recife, et aussi, évidemment, la question de la mémoire du cinéma et la mémoire par le prisme du cinéma, parce que finalement, question, et, on va dire, en théorie classique, de quand on filme des gens, on filme déjà des spectres, on filme des gens qui ont disparu ou qui vont disparaître, mais on filme du coup aussi un environnement qui a disparu et qui, bien évidemment, probablement ne reviendra jamais, mais qui vont rester hantés les mémoires, on va dire, par le biais de la pellicule et par le biais de l'image filmée. Carrément fleuré. Oui, sur la question justement du documentaire. Oui, documentaire. Alors, je ne vais pas partir là-dessus parce que le film est... déjà, c'est un très beau film. Hein. Autant mettre les choses à plat. Autant mettre les choses à plat, c'est un très très beau film. Kleber Mendoza Filho est un cinéaste qu'on aime ici, qu'on a toujours défendu. On a toujours aimé, ses films. Depuis, ils sont très impressionnants, Les Bruits de Recife. Hein. C'était son premier, hein, si je ne m'abuse. Oui. Premier long, jusqu'à Bacurao, qui est incroyable. Et moi, ce qui me plaît dans le cinéma de Kleber Mendoza Filho, c'est que c'est un cinéaste qui, non pas sait de quoi il parle, mais il sait où il veut aller, malgré le fait, ou à cause du fait, que ses films peuvent prendre différentes directions différentes. Et du coup, il y a une espèce de porosité des genres qui s'installe dans le cinéma de Filho. Et en fait, dans ce documentaire, il y a également cette porosité. Alors oui, il y a la question de l'intime. Bien entendu, il y a le film de famille qui est une espèce d'amorce du documentaire, parce que vraiment, ça commence comme ça. Mais il ne peut s'empêcher, en même temps, de proposer sa propre cinéphilie et d'ouvrir le cinéma comme question de mémoire. Le meilleur documentaire, c'est une fiction. Enfin, il y a plein de réflexions à ce niveau-là qui sont passionnantes. Mais surtout, c'est que c'est un documentaire qui est basé sur le prisme vraiment... le cinéma du réel, je mets ça entre guillemets, mais c'est le terme un petit peu générique du documentaire. Donc là, on a des images d'archives familiales, des images d'archives de la télé, brésilienne. Mais pourtant, il ne peut s'empêcher de faire des digressions un petit peu fantomatiques. En ça, le titre est très beau. En fait, c'est un documentaire qui se base sur le réel et en même temps, c'est un documentaire fantastique. Oui, c'est incroyable. Qui, en fait, il arrive à mélanger les choses. C'est du réel. En fait, il est complètement dans le réalisme magique. En fait. Ouais, voilà, exactement. En fait, la manière on en parlait dont, il y a deux semaines, ouais, il me semble-t-il, pour sa réflexion, parce qu'il voit une photo qu'il a fait quand il était jeune, où en fait, il y a un personnage qui apparaît vraiment très très flou sur l'image, et pour lui, ça apparaît presque comme un spectre finalement, justement. Et il ne sait toujours pas qui est cette personne qu'il a pris en photo. Cette séquence est incroyable. Et en même temps, et après, il va se balader un petit peu dans Recife, il va se balader dans des bâtiments désaffectés. Et puis, il y a toujours cette angoisse. Mais c'est l'angoisse dans le cinéma de Filho n'est pas une angoisse palpable. Alors, tu sens qu'il est influencé par John Carpenter, mais on n'est pas sur le mal qui rôde et que tu sens physiquement, viscéralement. Ici, on est sur une angoisse peut-être un peu plus intellectualisante ou intellectualisée. L'arrivée des barbelés, tout ça, qui sont juste des éléments épars, mais qui font monter l'attention. C'est très, très particulier, alors qu'on se dit dès le début du film, ok, il va nous parler de sa vie, et il va nous parler de sa ville.
certes postulat classique, sa vie qui se transforme un petit peu, qu'il va prendre un petit peu de hauteur, mais il ne peut s'empêcher de montrer et sa propre personnalité et sa ville et le cinéma brésilien dans... Parce qu'on parle aussi des sociétés de production, de comment elles se sont fait bouffer. Gilbert Rocha, on parle des grands cinéastes. On parle de Gilbert Rocha, bien entendu. Et il ne peut s'empêcher de voir, de voir tout ça un petit peu disparaître. Mais en même temps, c'est là, c'est palpable, mais c'est plus là. Tu ne sais plus trop où t'es. C'est vraiment la définition même du fantastique. Et en ce sens-là, je trouve que c'est absolument admirable. Le doute, voilà, le doute. Et en fait, il y a du doute, il y a constamment du doute dans le cinéma de Filio. Et ici, il y a un doute sur sa propre personnalité, il y a un doute sur son... sur sa trajectoire, il y a un doute sur qu'est-ce qui est devenu Recife, il y a un doute sur la situation des cinémas au Brésil. Alors on essaye de faire des trucs, bien entendu, on passe Easy Rider dans le cinéma dans lequel il a bossé. Donc forcément, ça te plaît, incroyable, ça. Bah, bien sûr. Et en même temps, par le biais du cinéma, il y a un doute sur ce qu'est devenu la société brésilienne, où on voit par exemple cette séquence incroyable, où on voit, et là ça fait aussi partie du fantastique, mais on voit les cinémas qui deviennent des églises évangélistes. Oui, alors il se pose la question aussi, mais comment ce pays a pu devenir évangéliste aussi? On est pas... Voilà, il y a un fourmillement d'idées par rapport à ça. Les évangélistes en fait ont pris le pas sur les catholiques traditionnels, où on pète une église pour construire un immeuble. Voilà, il y a des choses où il y a toujours cette question du doute ou de la... Pas de la cosmogonie, post-cosmogonie, on y reviendra peut-être pour Hitcher, mais il y a quelque chose peut-être de l'ordre du sacré, de l'ordre du mythe, mais de l'ordre qui n'est pas là, de l'ordre qui n'est pas palpable, et il arrive à imbriquer ça dans le cinéma du réel. Et je trouve que le grand écart est absolument magnifique, alors que c'est un documentaire d'une heure trente. Comment ce cinéaste-là peut-être aussi brillant. Il y a un art de la synthèse en tout cas qui est assez... Ah oui, et puis après une voix off incroyable, bien entendu, des choix musicaux incroyables. Et en même temps, tu t'ambiances. Il y a le carnaval, mais tu le vois pas trop non plus. Tellement de choses. Tu perçois plus des événements que tu ne les vois ou que tu les... C'est ça. Et il y a un hors-champ qui est constant. Mmh. C'est-à-dire que le hors-champ est constamment stimulé et tu le vois pas trop. La séquence du carnaval est à ce titre assez symptomatique parce qu'on dit... les habitants de Recife considèrent leur carnaval comme le troisième meilleur carnaval, le plus grand carnaval du monde. Il y a celui de Nice, je ne savais pas, celui de Rio, et tu as celui de Recife. Et du carnaval de Recife, tu vas voir quoi? Nice, moi j'aurais dit Dunkerque, mais... Ouais. Mais tu vas voir quoi? Tu vas voir pas grand-chose, en fait. Et il y a un hors-champ qui est constamment stimulé. Comment Recife s'est construit, ou comment s'est déconstruit, comment la ville a évolué. Parce qu'au final, on va rester dans le quartier, dans son quartier, mais on ne va pas aller de l'autre côté du pont, ou très peu, finalement. Qu'est-ce qui se passe là-bas aussi? Incroyable. Incroyable en termes de maîtrise des outils cinématographiques, en termes de théorie du cinéma, en termes de mélange des genres et en termes d'humanité, parce que c'est également une déclaration d'amour à sa mère. Le film peut être vu comme ça, une déclaration d'amour à sa famille, au cinéma. Quel beau portrait. Docteur, le réalisme magique, justement, c'est vrai qu'on en parlait pour un film il y a quelques semaines. Oui, il y a trois semaines. Le film chilien, ouais, c'est ça, ouais. Et qui, effectivement, influe pas mal, de toute façon, sur le cinéma sud-américain et dans la forme documentaire, surtout. Oui, oui, enfin, alors, il faut préciser, par exemple, que la dernière scène du film est une scène de fiction. C'est-à-dire que tout d'un coup, le film redevient une fiction, en fait, dans un dernier moment, en fait, et une fiction fantastique. Voilà, mais oui, voilà. Parce que le film même mêle des images filmées au présent par Filio, donc des images d'archives, mais aussi des images de ses propres films et d'autres camarades cinéastes. Alors, ce que moi j'ai trouvé, oui, parce que c'est ça, il rend aussi hommage à tous ses collègues cinéastes qui ont filmé Recif. Moi, alors, il y a plein de choses qui m'ont intéressé, évidemment, dans ce film-là. Alors, d'une part, pour revenir sur les fantômes, d'une part, c'est qu'effectivement, les fantômes sont pas menaçants, en fait, chez Filio. C'est pas des fantômes du passé qui reviendraient hanter les vivants ou des choses comme ça. C'est plutôt des fantômes, parce qu'en fait, il y a deux grands fantômes, en fait, dans le film. C'est d'une part, dans la première partie, sa mère. Qui est donc, alors sa mère, il faut préciser que c'était une universitaire, une chercheuse, voilà, spécialisée dans un truc qu'on connaît pas du tout en France, qui est ce qu'on appelle le mouvement abolitionniste, en fait, puisque le Brésil est un des derniers États, en fait, à avoir aboli l'esclavage à la fin du 19e, donc après les États-Unis. Et donc il y a des grandes figures qui cette femme a étudié, et que voilà, elle était une grande spécialiste de ce sujet là. Et le comment dire le
le portrait de Sonia Braga dans Aquarius, c'est un autoportrait en creux de sa propre mère, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi tout le rapport avec ses films de fiction. Mais ça, je vais y revenir là-dessus. Et puis il y a un deuxième fantôme que moi je trouve super touchant, c'est le projectionniste d'un des cinémas, auprès de qui il a été formé en fait quelque part. Ganache, en plus. Voilà, et qu'il a filmé, donc le gars torse nu, cheveux blancs, torse nu, parce qu'il fait une chaleur à crever dans les salles, dans les trucs de projection, et qui peut parler de la dictature, qui peut parler, voilà, parce que s'il y a des, il y a d'autres fantômes évidemment plus violents qui sont les fantômes de la dictature militaire, de toute cette période jusqu'aux années, milieu des années 80 en fait, où on peut pas forcément dire ce qu'on veut, tourner ce qu'on veut, et où le cinéma devient justement, parce qu'en fait il y a un moment notamment il parle d'un film qui s'appelle les Donia Flor et ses deux maris, et il trouve que Donia Flor et ses deux maris, c'est un film de 76, c'est un film avec un des premiers grands rôles de Sonia Braga qui va jouer donc ensuite dans Aquarius, et c'est un film qui est souvent considéré comme justement une espèce de renouveau en fait du cinéma d'auteur après le cinéma novo, qui avait été un peu, dont les pattes avaient été un peu coupées justement par la dictature, et en fait c'est le film qui quelque part est un peu, pour les cinéphiles brésiliens, si j'ai bien compris, c'est un film qui est considéré un petit peu comme le premier coin enfoncé justement dans la censure et dans le contrôle que la dictature militaire avait sur le milieu, pied dans la porte, sur le, voilà, le milieu du cinéma. Donc c'est un film qui est très important, et alors c'est ça que moi aussi c'est là que je trouve intéressant, c'est qu'en fait quand t'as vu en fait les autres films de Mendoza Filho, notamment Les Bruits de Recife et Aquarius, tu vois en fait à quel point c'est des films qui parlent de lui en fait, et il le revendique complètement, c'est-à-dire que ce côté presque autobiographique, Les Bruits de Recife s'est tourné dans sa rue, s'est tourné dans la rue où il y a la maison de sa mère, s'est tourné dans la maison de sa mère, dans son appartement, moi ce que je trouve qui est très fort, c'est que c'est un grand film de montage, c'est un film de montage en fait où justement il y a plus de frontières entre la fiction et le réel, puisque les décors de la fiction et les décors du réel sont les mêmes. Oui. Et donc du coup tu passes de films d'étudiants un peu potaches où ça fait des trucs d'horreur. Très sympathique. Des trucs de mecs de 15-20 ans. Exactement. Tu fais des films un peu potaches à ces films professionnels, à des images documentaires du présent ou des images documentaires du passé. Et en fait, il te dit pas quand tu passes de l'un à l'autre. Ce qui fait que quand, par exemple, moi je sais que je l'ai vu en fait. Et en fait, ça m'a tellement plu que du coup, j'avais pas vu Les Bruits de Recife, j'avais vu que Bacurao. Donc j'étais un peu ignorant. Et en fait, en regardant le documentaire la première fois, je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui était dans les films. Alors en fait, tu peux le savoir parce que c'est les formats. C'est les formats d'image. Le format de l'image t'indique. Et puis la présence d'une actrice notamment qui est parfaite, qui est l'actrice des Bruits de Recife, que moi je trouve super bien, qui joue aussi dans Aquarius. Et qui joue donc. Et qui là, alors c'est très. Et justement, avec des quelque chose de très ludique en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, il rejoue en fait un événement qu'il a vécu en vrai avec des chats qui se battent sous ses fenêtres, et il refait cet événement avec l'actrice des Bruits de Recife, et il la refait en le filmant avec son smartphone. C'est à dire qu'en fait on voit une image de fiction mais qui est la restitution presque immédiate d'un événement réel, ce qui fait qu'on n'a pas de et puis je trouve qu'il y a des moments super touchants, par exemple un truc, et c'est marrant parce que moi ça rejoint un truc que je me dis à chaque fois que je vois un animal dans un film, notamment les chiens. Oui, c'est le truc sur c'est le cinéma comme éternité et comme éternité inconsciente, parce qu'en fait c'est un truc qui m'émeut toujours beaucoup, c'est quand je vois des animaux en fait dans des films, je me dis cet animal est mort depuis des décennies, il a aucune conscience qu'il est dans un film, et pourtant il est éternel. Il est devenu éternel du simple fait d'avoir été filmé, et ça, je trouve que c'est extrêmement. Il y a quelque chose qui me touche énormément, c'est marrant, et surtout avec les chiens, parce que j'aime beaucoup. Alors, les chiens. Si tu veux, je te conseille les films australiens Red Dog avec un super chien. Si tu veux voir la trace d'un super clébard, en plus tu vas chialer ta mère. J'adore les chiens au cinéma, j'adore ça. Et les animaux d'une manière générale, moi, je suis toujours. C'est marrant, ça me fait pas ça avec les humains. Ça me fait moins ça avec les humains, mais les animaux, j'ai ce sentiment d'éternité parce que c'est inconscient, parce qu'ils n'ont pas conscience de jouer, parce qu'ils sont là et il y a juste des humains qui font des trucs bizarres avec des outils bizarres, et les chiens ça leur dit rien, tout ça quoi. Donc en plus il y a une espèce de je m'en foutisme chez les cabots. Je te rappelle qu'on vit tous dans le rêve d'un chien. Mais j'espère bien que je vis dans le rêve d'un chien. Et c'est vrai qu'à ce titre-là il y a la scène de l'aboiement. L'aboiement fantôme, incroyable. Parce qu'en fait dans Les Bruits de Recife il y a donc ce chien qui est le vrai chien de ses vrais voisins dont il a enregistré le son pour le mettre dans Les Bruits de Recife, parce que justement parmi Les Bruits de Recife il y a ce bruit-là. Un jour, il entend le chien qui aboie, il dit non mais c'est pas possible, le clébard il est mort depuis des années et tout, et en fait c'était juste tous les voisins
qui tousse, la fenêtre ouverte parce qu'il fait une chaleur à crever, et regardez le même film où un chien aboie. Mais non, il regardait les bruits de récifs. Il regardait les bruits de récifs. C'est-à-dire que les bruits de récifs, c'est ses voisins en fait qui regardaient les bruits de récifs parce que les bruits de récifs étaient diffusés à la télévision, quelque chose comme ça. Donc, et tu vois même tout le truc avec les barbelés dans les bruits de récifs, ça apparaît, c'est cette espèce de trouille de la population blanche, d'un espèce de danger d'ailleurs qui est toujours un peu imaginaire en fait. Et ça aussi, c'est un truc qui est super général, intéressant. En Amérique du Sud, souvent, c'est soit ils mettent des barbelés, soit ils mettent des tessons de bouteilles dans du béton sur leur palissade. Et ça, c'est interdit, mais bon, tout le monde le fait. Et je trouve que c'est super honnête parce qu'en fait, il y a un moment, il y a dans la maison d'à côté où il y avait le chien, elle est abandonnée, donc il y a des chats qui se battent. Plein de chats. Et en fait, du coup, Mendoza Filho finalement finit par faire le truc qu'il dénonce lui-même dans les bruits de récifs, c'est-à-dire il finit par installer des barbelés pour empêcher les chats d'entrer, ce qui n'empêche d'ailleurs strictement rien. Je trouve qu'il y a une certaine forme de, c'est-à-dire que c'est un film qui, à la fois je trouve que c'est un film où il y a plein de choses très poétiques, et il y a une certaine forme d'honnêteté, je trouve, intellectuelle vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de comment est-ce qu'il a filmé sa ville, vis-à-vis de comment est-ce qu'il considère son propre pays et son propre environnement, le fait qu'il a conscience qu'il fait partie de la population blanche et donc de la population plutôt privilégiée. Je trouve que dans la deuxième partie avec les cinoches, je trouve que là ça devient, enfin moi je trouve que le film, c'est assez marrant parce qu'on a l'impression que c'est déconnecté, sauf qu'en fait dans les deux cas c'est pas parce qu'en fait c'est de l'archéologie dans tous les cas, c'est de l'archéologie intime, oui, c'est de l'auto-archéologie en fait, c'est-à-dire qu'il fixe sur pellicule des choses qui sont en train de disparaître et des choses qui pour lesquelles il a une affection. Et je trouve que dans la deuxième partie, toute cette partie sur les cinémas, je trouve qu'il y a un vrai truc mélancolique, mais pas mélancolique gnangnan, tu vois, mélancolique doux, une espèce de douce mélancolie non plus, non, voilà, pas, non. Non, pas, parce que, non. Non parce qu'il c'est pas réac, non parce qu'il peut non parce qu'il peut expliquer aussi que l'un des cinémas dans lequel il allait, il peut, alors cette histoire qui est complètement incroyable, cette histoire où les nazis ont essayé d'ouvrir des cinémas de la UFA, a essayé d'ouvrir des cinémas au Brésil. Voilà, et ça a capoté. Enfin, mais ils ont réussi après la guerre. Voilà, et le cinéma dans lequel il bosse, et où d'ailleurs on voit à la sortie à un moment donné, on voit Sonia Braga, donc ça veut dire qu'il est probablement après une séance d'Aquarius. Et ce cinéma dans lequel je pense il a bossé, qui s'appelle le Saint-Louis, le São Luís, et qui est complètement dingue, avec des fleurs de lys partout. Oui. Et des pure déco. Pure déco de cinéma à l'ancienne, à la française. Complètement dingue, avec des figures de producteurs complètement dingues, et cette espèce de culte en fait de la salle de cinéma, et qui explique après tout son discours autour de la religion, justement. C'est-à-dire qu'on construit des cinémas sur des églises, et puis les cinémas finissent par être remplacés à nouveau par des églises, comme une espèce de mouvement perpétuel comme ça, de circulation sur la question de la croyance, voilà, et sur la question de la croyance, quoi, sur la question de des lieux de croyance en la fiction, ouais, exactement. Oui, parce qu'il le dit lui-même en fait, quand tu filmes, quand tu prends une photo des gens qui attendent devant ciné, il dit ça fait acte de documentaire sur l'époque. Mmh. Et en fait, tu les vois, les gens, avec l'affiche de ciné. Sur le pont, toi, tu vois les affiches. Les affiches au loin. Ouais. Et ce que tu regardes, en fait, c'est pas le sujet que tu regardes. Ce que tu regardes, c'est ce qu'il y a derrière le sujet. Mmh. Et c'est ça qui devient intéressant, en fait. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment le cinéma de fiction, parce que ce qui passe au cinéma, c'est vraiment dans le cinéma de fiction. En histoire, ce n'est pas le document qui explique l'époque, mais c'est pas l'époque qui explique le document, mais c'est le document qui explique l'époque. Et ça c'est. Et que c'est involontaire. C'est absolument vertigineux, ouais, en fait, de voir comment en fait la fiction, parce que ce sont des fictions qui sont diffusées au cinéma, il y a très peu de documentaires, comment la fiction te rend compte à l'instant T de ce qui se passait dans le pays. Et c'est incroyable. Et il y a vraiment cette égalité en fait entre fiction et réel, c'est-à-dire que ça soit une photographie prise dans les années 70 ou un de ses films à lui. Dans les deux cas, ça dit quelque chose sur Recife à un moment de son histoire. Oui. Et c'est quelque chose sur l'histoire de celui qui prend la photo. Parce que Mendoza Filho n'est pas un cinéaste qui catégorise la chose. Parce que tu pourrais croire qu'il, il est sélectionné à Cannes, Baccarat, moi, c'est mon film préféré, un des trois, de ces trois. Et c'est un film qui est ample, ultra ambitieux, ultra énervé. Mais en même temps, il revient avec un documentaire intimiste, mais il le filme avec la même passion, il le filme avec même réflexion intellectuelle, tout est au même niveau chez Mendoza. Et c'est pour ça que moi, je considère que ce cinéaste est ultra important, parce qu'avec lui, il n'y a pas d'hiérarchie.
c'est peut-être son côté islamo-gauchiste, hein, mais vraiment, tout est à plat à ce niveau-là et tout est valable. Et ça c'est absolument... Et puis ça fonctionne sur l'association d'idées. Oui, tu passes d'un truc à un autre. C'est tellement salvateur. Et moi, je trouve qu'il y a, quand même, même si c'est pas la même manière, de, c'est pas les mêmes sujets, mais... Qu'il pense au montage à la soviétique. Je ne sais pas s'il pense au... En tout cas, là, pour le coup, en termes de montage, c'est un peu une leçon. Et il y a quand même ce côté, moi, je trouve presque Patricio Guzmán, c'est-à-dire cette voix off, qui est super enveloppante, parce qu'il a une très belle voix, Mendoza Filho, et surtout, il y a des moments où c'est vraiment ludique, quoi. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, la scène où il scanne la fameuse image où il y a le fantôme, et puis il y a le scanner qui se referme tout seul. Et ça, c'est très drôle. Moi, je trouve, c'est très, très drôle. Et même la scène finale, la scène de fiction finale avec le chauffeur de taxi qui a le super pouvoir d'invisibilité. Il y a quelque chose de presque enfantin, en fait, dans cette. C'est-à-dire que c'est à la fois sérieux et léger, c'est à la fois mélancolique et joyeux. La musique est formidable. Ouais. Je trouve que la musique est super dans ce film-là. C'est comme les Patricio Guzmán ou les derniers films de Jodorowsky, justement, sur ce réalisme magique, mais en même temps avec une certaine conscience, finalement, de revenir sur une chose, ou quand on est en un petit peu, pas forcément d'ironie, mais un petit peu d'humour mélancolique par-dessus. Et c'est surtout qu'il y a, en termes de mélancolie ou de revenir un petit peu sur ce qui se passe, faut voir comment il filme Récif. Je vais revenir sur la séquence finale, mais en fait, il filme Récif, du moins son quartier de Récif, comme, alors, il y a eu de la vie, mais des fois, sa caméra s'attarde sur des endroits quasi désaffectés, des endroits qui n'ont plus sens. La ville est désaffectée, ça a l'air magnifique. Hein, surtout, ils construisent des immeubles super hauts, en fait. Il y a la maison de son pote, puis paf, ils ont construit un immeuble de 50 étages par-dessus. Quoi. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils filment dans cette séquence quasi michaelmanienne, point Michael Mann, voilà, quasi collatéralienne. En fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils filment comme urbanité, en fait? Ils filment des centres commerciaux, ils filment des magasins, des pharmacies. Laisse tomber. Et Mélenchon, il te dit, voilà, peut-être que ma ville, elle est devenue ça. Alors, c'est un cinéaste qui est encore très jeune. Hein. Surtout peut-être que le monde est devenu ça. Mais le monde est devenu ça. Et lui, en fait, il s'efface. Il va s'effacer petit à petit, parce que peut-être qu'il n'est plus adapté à ce monde-là. On ne sait pas. Et peut-être qu'il y a une certaine forme de nostalgie. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est qu'il enchaîne, bien entendu, derrière avec une autre proposition de cinéma, moi, je trouve que c'est vraiment un film. Il y a le sentiment de la perte, mais c'est pas un drame. Et ça, moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pas un drame. C'est pas le vieux ronchon, tu vois, qui dit gnagnagna, le capitalisme, c'est pas bien. Tu vois, non, il a pas besoin de nous le dire. En fait, il nous montre comment évolue une ville. Et dans la manière dont elle évolue, il nous montre ce qu'on perd, en fait. Ce qu'on perd par rapport à sa propre vie et sa propre mémoire. Mais il y a l'image et il y a le cinéma. Moi, je trouve que c'est un film qui suinte la croyance profonde dans les vertus du cinéma et dans la capacité du cinéma, non seulement à capter le réel, mais à produire justement de la féerie. Et les deux ensemble, en fait. Et moi, j'ai été extrêmement convaincu par ce documentaire. Oui. Exactement. Donc, c'est le dernier film de Kleber Mendoza Filho, Portrait fantôme. On va passer à toute autre chose et on va aller faire de l'autostop. En attendant Godard sur Sidab, et donc c'était Creedence Clearwater Revival avec Sweet Hitchhiker. C'est probablement les restes de Zbig Lebowski à vouloir écouter Creedence. Mais donc, l'autostop, bien évidemment, il en est question à l'occasion de la ressortie en DVD et Blu-ray, alors qu'il y avait un DVD français qui était il y a bien 15 ans, donc de Hitcher de Robert Harmon, film de 1986, avec Rutger Hauer et C. Thomas Howell et Jennifer Jason Leigh, donc film culte s'il en est, où le pauvre C. Thomas Howell, un soir, prend en autostop Rutger Hauer, qu'elle est un garçon un peu chelou, puisque au bout de 5 minutes, il a déjà envie de le tuer. Il arrive à s'en débarrasser, mais pas de bol. Rutger Hauer, il en faut plus que ça. C'est un répliquant. Il en faut plus que ça pour lui faire du mal. Et donc, le pauvre C. Thomas Howell va se retrouver traqué pendant 1h30 par cette apparition presque fantastique de Rutger Hauer, qui va chercher par le buter par tous les moyens et surtout le faire incriminer des propres meurtres que lui a commis, parce qu'il a déjà, on va dire, un peu, c'est un serial autostopper killer, hitchhiker killer. Et donc, film culte s'il en est, qui impressionne par sa mise en scène, parce que Robert Harmon à l'époque était quand même tout jeune et il filme ce film mélange de films d'action, de western et de films à la lisière du fantastique, avec quand même
un talent certain, une propension à la violence certaine aussi, et qui donc là ressort dans une belle édition chez Sidonis, avec notamment accompagné d'un livre de Olivier Père de la branche cinéma de Arte, avec moult documentaires sur Rutger Hauer, documentaire qui, je pense, vu la ganache des mecs, date de l'époque du laserdisc, probablement, surtout vu la gueule de Rutger Hauer dans le truc. En tout cas, gros complément, enfin gros matériel de supplément en tout cas, pour ce film qui avait connu une suite tardive et un remake tout pourri avec Sean Bean en 2007. Ok. Ouais, voilà, qui n'a aucun intérêt, mais donc effectivement, à revoir ce film de Robert Aman est quand même sacrément impressionnant, Florent. Oui, c'est un film que moi j'avais vu il y a très 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 longtemps, et en le revoyant, je me suis dit, en fait, il était resté dans un coin de ma mémoire, et toutes les images sont revenues de manière très agréable. Alors, c'est un film qui est quand même très bizarre, parce que c'est un film qui clairement, toute l'équipe a vu Duel de Spielberg. Ah bah oui, on est clairement là-dessus. Les déserts. Et Mad Max. Le désert. L'absence de frontières, la présence quasi fantastique de ce tueur, même si là il est nommé et John Ryder, il est visibilisé, c'est pas le camion de Duel, mais néanmoins il arrive juste de tout et n'importe où, il arrive Robert n'importe qui quand, joue n'importe le rôle du camion, voilà, n'importe où, n'importe quand, il peut arriver et pim pam poum avec son espèce de pick-up là, et oh putain il est là le con. Voilà, sur des espaces, alors on est en plein désert, un espace américain où tu te crois que voilà, c'est l'immensité des possibles, alors que pas du tout. Voilà, donc on est vraiment sur le même terreau que le duel de Spielberg. Et pourtant, moi, il y a un truc, je crois que c'est le truc que je préfère dans ce film-là. C'est, alors déjà, pourquoi il est sorti en 86? Parce que c'est clairement un film des années 70, mais il sort voilà, avec 10 ans de retard. Peut-être. Rutger Hauer venait d'être starifié. Alors le scénar, tu sais pas d'où est-ce qu'il était dans les tiroirs avant, mais j'ai l'impression que c'est un film qui est anachronique par rapport à ce qu'il raconte. Mais en même temps, vu que c'est un doublon de Duel, ils ont dit on va attendre parce que ça fait un peu trop. Mais moi, il y a un truc qui me passionne là-dedans. Enfin, c'est comment en 5 minutes de film, on va installer le programme de ce qui va se passer. Ça démarre tout de suite. De la flotte, des orages, de la nuit. Un désert, un autostoppeur qu'on voit pas au début mais qu'on voit très très vite, et une lame qui est dégainée au bout de 4 minutes. Voilà. Et après, ça va pas débander pendant 1h30, 1h37 de mémoire, jusqu'à cette quasi-apothéose où la pauvre Jennifer Jason dit aïe, sans trop en dire. Mais voilà. Elle en chie bien sa mère. Hein. Elle en chie, mais au final, tout était là chez Spielberg, mais Aman apporte ce côté, cette violence 70s, ouais, ce côté très comment dire, on s'en fout et on y va, voilà, un petit côté vraiment badass punk où on dit voilà, on va pas parler de la situation de l'homme, voilà, il faut revoir Duel, mais voilà, on y va, une bonne vieille série B comme on adore, et en avant Guingamp. Du coup, le film bien entendu mérite son statut de film culte, puis putain, Rutger Hauer quoi. Ouais, non, on y reviendra, ça. Margot qui voulait parler. Non. Ah ah. Alors on va meubler le temps qu'elle se mette devant son micro. Oui, voilà. En fait, j'ai été assez surprise par ce film parce que je l'avais jamais vu avant, et moi ça m'a un petit peu fait penser à It Follows. Et peut-être que ça a été inspiré après parce que ça date des années 80. Et j'ai été assez marquée par ce film. Et c'est tout ce que je voulais dire. Oui, non, c'est vrai, effectivement, c'est David. Robert Mitchell. Robert Mitchell sur la menace invisible, la mort, ouais, qui rôde. Mais et qui te suit tout, ouais, le temps. Mais qu'un des tropes a un petit peu du fantastique aussi. Il y a ça chez Carpenter, c'est la présence invisible qui revient, peu le boogeyman. Même chez Romero. Alors, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc dans ce film-là, et c'est marrant parce que moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi. Hein. Et moi, je me souvenais surtout du triste sort de Jennifer Jason Leigh. C'était un peu la seule scène dont je me souvenais vraiment. Je me souvenais que j'avais bien aimé, mais je me souvenais vraiment visuellement que de cette scène-là. Et à revoir le film. Alors d'une part, moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a beaucoup de tôle froissée. Il y a des voitures qui sautent dans tous les sens, ça explose. Il y a des coups de shotgun dans les bagnoles. Il arrive à faire quand même des scènes d'action. Moi je trouve qu'ils, pour une série B, sont quand même plutôt bien fichus. Il y a ce côté série B qui fait qu'en fait quand tu regardes attentivement le scénario, en fait ça tient pas du tout la route.
Mais ça me dérange absolument pas. Moi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, t'as un programme. Et effectivement, quand tu les incohérences sont cohérentes du coup parce qu'elles sont tenues par la mise en scène. Bah, oui, et puis c'est ça qui fait que ça tombe aussi dans le fantastique. Bah oui, tu dis comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Comment est-ce qu'il fait Rutger Hauer pour... Le mec, il est tombé il y a 500 mètres, il est là 500 mètres. Ouais, dans son pick-up. Comment quand ils sont dans la chambre du motel, là, voilà. Hop. Comment est-ce qu'il fait pour arriver là? Comment est-ce qu'il sait que le personnage est là? Enfin, et le commissariat. Et le commissariat, et le fourgon de police à la fin. Enfin, bref. Et puis, alors, il y a une dimension. Et moi, je me souvenais pas du tout qu'il y avait cette dimension. C'est qu'il y a quand même quelque chose de très homoérotique, moi, je trouve, dans la relation entre les deux personnages. Et Rutger Hauer. Qui est un genre de harceleur, mais à tous les niveaux. Qui est un harceleur, mais qui est un mec qui en fait, c'est, là, pour le coup, c'est vraiment un mec qui a une pulsion de mort, en fait. C'est-à-dire que, dès le départ, il lui dit, arrête-moi. Oui. Et en fait, tout est dans cette phrase-là. En fait, il lui dit, arrête-moi. Et en fait, c'est un mec qui veut mourir, en fait. C'est un mec qui veut mourir et il veut que le mal. Mais qui se laissera pas attraper. Ouais. Mais il veut que le mal, il veut transmettre le mal, en fait. C'est-à-dire qu'il veut transformer ce petit mec, qui est gentil comme tout, en tueur, en fait. Et il y a vraiment un truc sur la circulation du mal et sur une espèce d'héritage comme ça qui se transmet avec une espèce d'obsession masculine l'un envers l'autre et qui finit par toucher le héros, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin dans la dernière partie du film, de virilité toxique, ouais, le héros il pourrait se barrer, il se barre avec le flic et normalement ça y est, c'est bouclé, et il finit par braquer le flic et lui piquer sa bagnole parce qu'il faut qu'il aille terminer, il faut qu'il aille le tuer, quoi. Il faut qu'il aille se débarrasser de Rutger Hauer, quoi. Et il y a une espèce de... Il y a des plans vachement bizarres. À la fin, il y a un plan où, avec le fusil à pompe, Rutger Hauer est par terre. Il lui caresse le visage avec le fusil à pompe. Enfin, il y a vraiment un truc homoérotique là-dedans. Il y a une espèce d'attirance, en fait, qui n'est pas sexuelle, hein, mais il y a une espèce d'attirance. Peut-être aussi parce que, quelque part, Rutger Hauer représente ce que ce jeune homme aimerait être. C'est-à-dire cette espèce de toute puissance masculine. Indestructible. Indestructible. Et puis avec une belle gueule, hein, quand même, il faut bien le dire. Hein, mais inquiétante, hein, mais avec un joli sourire, voilà, avec un sourire pervers. Mais Rutger Hauer, à l'époque, d'autant que. Donc, il était à la chair et le sang, en plus, il sortait de la chair et du sang, qui après était les films bien, de, bien bizarre aussi. Après les films de Verhoeven en Hollande, son premier gros truc américain, c'est. Blade Runner. Donc c'est Blade Runner, où il joue le méchant, avec ce côté justement très froid, mais en même temps très attirant. Il y a La chair et le sang en 85 où là justement il surjoue de son côté avec Jennifer Jason, oui, de son étrange beauté, avec une des scènes de sexe les plus dérangeantes qui m'étaient données de voir. Il y en a plein des scènes dérangeantes dans La chair et le sang, mais celle-là est particulièrement moi je me souviens qu'une scène, une scène avec Jennifer Jason qui est terrifié, qui est particulièrement dérangeante, avec Eddie Hawke où il cache justement un peu son image de mec genre de Klaus Kinski des Pays-Bas. Mais du coup là il revient avec ça où du coup ça bascule entre les deux, à la fois parce que c'est une star en devenir qu'il ne deviendra finalement jamais, non, à cause de choix de carrière absolument déplorables, et ce côté sursexuel, surméchant qui joue, fait, un peu sur les deux tableaux. En le revoyant, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à La proie de l'autostop. Oui, exactement. C'est-à-dire ce côté où là c'était David S, je crois, mais qui jouait dans La dernière maison sur la gauche, je crois que c'est David S, hein, je crois que c'est ça son nom. Et où il y a aussi ce côté viriliste, ce côté viril, viril malsain, quoi, en fait. Il y avait retrouver sa vérité. Mais Spielberg, dans Duel, raconte exactement la même chose, au final. Oui, sauf qu'il ne montre pas de... Sauf qu'il montre pas, mais il raconte... Mais le camion représente cette virilité, voilà, aussi, en fait, qui est... Comment le héros de Duel... Ouais, exactement. Comment le héros de Duel veut de redevenir cet homme qu'il n'est plus, parce que... Parce que c'est un cadre enfermé. Parce que la nouvelle société américaine, parce que... Et comment ça ne peut que se terminer mal pour lui, c'est-à-dire ça ne peut que se terminer par une, comment dire, la découverte d'une violence interne qui dont il ne pourra plus jamais se débarrasser, en fait, par la suite. C'est d'où le plan final, ouais. Le plan final de The Hitcher, qui est le même plan final que Duel de Spielberg, c'est-à-dire le héros, le coucher de soleil. Super générique de fin. Hein. Super générique de fin, mais ce sont les mêmes types de plans pour des films qui, peu ou prou, raconte un petit peu la même chose, mais avec des économies de cinéma, on va dire, un petit peu différentes. Alors des petits budgets, mais voilà. Il y a un peu plus tuné quand même le Robert Harmon. Ouais, mais le j'ai Duel, l'impression c'est que un film télé, quoi. Mais j'ai l'impression que Duel est peut-être plus ambitieux dans ce qu'il veut raconter. Spielberg veut raconter des choses, en oui, fait. Oui, puis Spielberg, c'est quand même sur. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur l'Amérique, et tout ce côté, la relation que tu faisais avec It Follows, je pense que c'est même d'une manière générale, en fait. Moi, je pensais aussi à comment il s'appelle le film après, là, Under the Silver Lake. Oui. Où t'as cette espèce de fantastique, c'est-à-dire c'est pas fantastique en soi,
mais c'est bizarre, quoi. Voilà, c'est le monde est étrange. Il y a une atmosphère fantastique. Ouais, quelque chose pas... qu'on trouve un peu chez Lynch aussi, d'une certaine manière, mais dans un genre beaucoup plus baroque. Une porosité, voilà, un peu fantastique. Et surtout d'espèces d'interzones. C'est-à-dire d'espèces de... C'est-à-dire que l'Amérique, en fait, c'est un territoire de où naissent les légendes. Voilà. Et quelque part. Les mythes. Ouais, et quelque part, il retourne justement. Mais qui est hanté par les spectres. Voilà, mais qui est hanté par les spectres. Et je trouve que c'est un film, c'était, moi, ça m'a beaucoup plu de le revoir. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un film, c'est 1h37. Ça te décolle pas pendant, en 5 minutes c'est beau, en 5 minutes c'est réglé, il y a pas de gras en fait dans ce film là. Il y a pas de prologue, il y a pas d'épilogue. Il y a pas de gras, enfin Jennifer Jason Leigh en plus, moi ça fait partie de ces actrices que je regrette de ne plus voir au cinéma parce que moi j'ai toujours trouvé que c'était une super, c'est comme Brigitte Fonda. Moi je repensais à ça aussi, je me disais putain Brigitte Fonda, et Jennifer Jason Leigh et Madeleine Stowe. Et Marie-Elisabeth Mastrantonio et Ashley Judd et tout ça. Enfin, Ashley Judd là, c'est parce qu'elle a eu des problèmes avec Harvey Weinstein. Hein, qu'elle a été une des seules à ouvrir sa gueule et qu'on lui a bousillé sa carrière, hein, donc mais voilà, mais toutes ces actrices des années 90 qui moi sont des actrices que j'aime beaucoup en plus, quoi, qui sont des super comédiennes et qui sont des comédiennes qui avaient des qui sont pas des poupées, quoi, qui sont des qui jouent, qui incarnent des vrais personnages, quoi, et elle est très bien là-dedans, même si malheureusement ça se passe pas très bien pour elle, mais elle est très bien là-dedans et elle est bien aussi dans une espèce d'ambiguïté aussi et aussi une espèce de forme d'attirance un peu étrange pour ce jeune garçon qui est peut-être un tueur, enfin voilà, et je trouve qu'il y a une ambiguïté permanente chez tous les personnages du film qui fait que Rutger Hauer finalement n'est que la partie émergée de l'iceberg et qu'en fait ça révèle une ambiguïté fondamentale en fait de l'âme américaine en fait qu'on voit aussi chez les policiers d'ailleurs, hein, qu'on voit aussi chez les policiers d'une certaine manière. Juste pour terminer, conclure, si on veut se faire un triple programme, on peut rajouter à Duel et à The Hitcher le très sympathique Une virée en enfer de John Dahl. Oui. Oh putain, oui. Oui, avec Lily Sobieski et pareil, Paul Rudd. Mais pas Lily Sobieski, qu'est-ce qu'elle devient. Et voilà, qui sur le même logique. J'en profite pour John Dahl, qui était un artisan du film noir. C'est série B, film noir, qui était hyper intéressant. Ouais. Et pareil, qui a disparu aussi. On va s'arrêter là. Merci, messieurs. Donc, c'est Hitcher de Robert Harmon qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray chez Sidonis Calista. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de c'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément fleurés. Alors, moi, ça va être... Attention, c'est très bizarre, mais... Non, ça me même pas choqué. Alors, voilà. Un documentaire. Oui, parce que mon téléphone bug, parce que j'ai pas pris mes notes. Donc, ça va être Spice Girls, Girls Power, ces filles qui ont changé le monde, de Vari Innes et Alice McMahon Major. Sur la plateforme d'Arte en ce moment. Documentaire qui retrace le parcours donc du girls band le plus célèbre de l'histoire de la musique populaire. Qui revient sur le parcours, mais surtout qui prend des envolées en termes de ce qui se passait dans l'industrie musicale à cette époque et comment en fait ces cinq femmes ont tout simplement osé dire oui, les mecs, on est plus puissantes que vous. Allez vous faire foutre. Voilà, donc en fait, est-ce que les Spice Girls étaient un groupe punk? Je n'irai pas jusque-là, quoique dans le film, il y a quand même une référence à Bikini Kill, oui. Donc voilà. Mais voilà, de film absolument passionnant, voilà, sur la trajectoire de ce girl band qui mérite pas une réévaluation musicale, faut pas exagérer, mais néanmoins qui prend note et qui prend conscience de ce que c'était le girl power pré-MeToo. Même si je t'ai déjà vu danser sur Wannabe, bien évidemment. Mais bien sûr. Docteur. Alors moi, ce sera beaucoup plus classique et paresseux, puisque ce sera The Big Lebowski, revu ensemble dimanche soir à l'Arvor, dans la séance du dimanche soir, et c'était très bien. Voilà, et ça reste, à mon avis, un des films les mieux écrits des frères Coen. Voilà, et je trouve que ça en doublé avec Fargo, là, c'était vraiment leur grosse période. Après, il y a eu un petit passage à vide après, fin des années 90, avec... Brother, c'est sympa. Au Brother, ouais, mais je trouve Intolérable Cruauté. Un petit peu moins bien. Lady Killers. Lady Killers moins bien aussi. Moins mémorable. Mais là je trouve que voilà, The Big Lebowski, c'est là aussi grand film sur Los Angeles, quoi. Oui. Grand film sur Los Angeles et c'est voilà, qui aurait tout à fait sa place dans une programmation aux côtés justement de Michael Mann d'Invasion Los Angeles ou juste film justement des films de David Cameron Mitchell et notamment de Under the Silver Lake.
Exactement, merci docteur. Sinon moi ce sera un film de Nelly Kaplan de la fin des années 70, Néa, film très étonnant qui je pense ferait hurler à peu près tout le monde aujourd'hui, des chiens de garde jusqu'au vieux réac, où en Suisse, dans une famille ultra bourgeoise avec évidemment des secrets, une jeune fille de 16 ans écrit de la littérature érotique et pornographique, et des relations troubles vont se mêler avec plein de gens troubles aussi. Nelly Kaplan, c'est vachement bien. Film très étonnant, film d'une violence, d'une subversion absolument incroyable. C'était un véritable bonheur et à ne pas mettre devant tous les yeux. Enfin, si, à mettre devant tous les yeux d'ailleurs. Mais justement, c'est des films, voilà, c'est des films qui ne sont pas choisis ton camp camarade. Quoi. C'est pas que c'est gratuit, c'est que ça écorche. Ouais, exactement. On va s'arrêter là. Merci Ulysse et Margot, la mise en son de cette émission. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Prochaine émission, prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir. Salut. Salut.